Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour le farming de l'event d'entraînement avec Elena. Bon, alors, vous vous en doutez, c'est pas aussi exceptionnel que ça, hein. Exceptionnel, façon de parler, on va dire, puisque dans les faits, on n'a qu'un seul combat à chaque endroit. Ce qui fait que pour faire les calculs, c'est beaucoup plus simple. Donc voilà ce qu'il en est, donc des gains de base. Voilà, avec 0 unité bonus. Donc bon, ouais, je vous apprends rien de particulier forcément pour le coup. Donc, avec de la chance, il peut y avoir du pop super. Donc voilà, on peut avoir du combat supplémentaire avant le fight contre Elena. Et ça, sauf que c'est le hasard le plus grand d'avoir ça. Donc forcément, je suis pas en perfect chain, mais ça passe quand même. Ok, bon, ça va. Ceci se va, Alice les cela. Et donc voilà, comment savoir voilà, que les bombos sont à 500, et bien on sait que sans les bombos on est à 550 de gains pour la légendaire. Donc forcément, par déduction, c'est voilà, c'est la différence des deux, hein, pour savoir le au final. Donc ça devrait bien se passer. Oh! Ben mince! Bon, on sent que j'ai pas fait le. Que je suis pas en. En.
Je suis pas sur le téléphone pour faire les lancers là. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je l'ai pas fait, mais. Mais bon, dans les faits, bon, ça passe tout seul quand même. Mais d'ailleurs, ça me. Là, je vois ce que ça donne son attaque là. Donc, j'ai juste testé sur le dernier là. Parce qu'après, bon, il n'y a plus d'endurance. Voilà, vous avez vu, là, il n'y a pas eu le pop du premier mob. C'est juste après basculer sur le double. Le plus gros de double compétence de Reign pour ce que ça donne. Arme de viabilité, bon, ça fait plusieurs tours de combat tout de même. Mais... directement à la limite, voir si c'est pas mieux en fait. Ok. Bon, ça fait quand même beaucoup de tours à faire, hein, exprès donc. Ouais. C'est quand même relativement particulier tout ça, mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà, et donc tout. Ces insignes-là sont à échanger non pas chez le roi Mog, mais sur une petite bannière dédiée dans l'onglet Invocation. Qui est assez bizarre en soi, mais pourquoi pas. Voilà, donc du coup... Alors donc c'est 400 insignes pour faire une invocation et dedans c'est pour choper donc des pots, des Pampinator, des Gilkelon, des Mocs de Confiance et des Magilites. Donc je sais pas à combien est le cap max, mais bon, c'est bon, de bien avoir un à un moment donné, mais c'est que très loin du gif, hein. Voilà, on va voilà. Donc les pots, les rois Pampinator, des Mocs de Confiance, des tours, des voilà, des Gilkelon.
Voilà, la famille Gilkellon, voilà, une petite famille Gilkellon qui traîne. On va faire manque de quartz, de la gigalite. C'est dans les objets, c'est principalement ouais, fragments de quartz et par moment de la gigalite quoi. Oui, oui, oui. Voilà, et donc ça me du coup avec tout ça, qu'est-ce que j'ai récupéré? Oh, 2 500 000, bon, c'est pas exceptionnel non plus, mais bon, c'est toujours du ça de prix quoi. Après, du coup, du restock de Bengal Pampinator, ça c'est cool aussi. Par contre, mais par contre, on a quand même des tickets. Avec lesquels on peut faire des échanges. Donc on va aller faire voir ça de suite. Quand même. Voilà, pour 10, ça permet de choper une unité parmi... un certain nombre. Voilà, il y a l'Empereur Shera, le Cécile Chevalier Noir, India Pure Invocatrice, le King Dragon Repenti, Ramza Mercenaire, Delita Chevalier, Pish, Noctis, Nyx, ou bien des tours de Gilkellon pour en faire encore plus de sous, tout simplement. Donc, ça, c'est à chacun de voir ce qu'il préfère récupérer, tout simplement. Voilà, moi j'avais récupéré 2-3 joues de tour de Gilkellon à l'occasion d'ailleurs, il me semble. Donc après, s'il y en a une qui vous en manque plus qu'une pour faire la super commande de confiance, bah à la limite, bon, ça peut lâcher 10 tickets pour l'occasion, mais bon. Et que si vraiment c'est une super récompense de confiance qui vous sert, vira dans l'immédiat. Si c'est... si c'est plus quelque chose ou éventuellement bon peut-être de passer le chemin des unités de prendre que les tours de Gilkellon quoi. Bref, donc c'est là-dessus que je vous laisse. On se retrouve bientôt pour d'autres aventures sur Bravitude. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à bientôt tout le monde.